Mes très chers compatriotes, consécutivement à la situation qui prévaut actuellement dans la ville de Goma, en rapport avec l'appel à la ville morte organisé par la société civile ce lundi 6 février 2023 contre la force régionale des États d'Afrique de l'Est et ACE en sigle, ainsi que la MONUSCO. Le rapport de service spécialisé en ma possession fait état de plusieurs dérapages et débordements sur le terrain, dont les actes de pillage et de barricades des avenues. En effet, il s'agit de l'œuvre des gens mal intentionnés qui infiltrent notre paisible population pour s'attaquer aux propriétés privées, aux biens publics et aux partenaires du gouvernement congolais. Vous conviendrez avec moi que la province du Nord Kivu traverse actuellement des moments difficiles du fait de l'agression injuste nous imposée par le M23 RDF et que se livrer à des actes de pillage et de débordement ne fera que sombrer davantage notre province dans une situation d'asphyxie économique, ce qui va beaucoup plus profiter à l'ennemi qu'à notre population. Vu la situation sécuritaire de l'heure, les barricades des routes risquent d'empêcher nos services de défense et de sécurité de bien sécuriser notre ville de Goma. Au regard de ce qui précède, et partageant les mêmes soucis que ma population, je lance un appel patriotique au calme et à la retenue. De même, il est important de laisser libre circulation aux agences humanitaires